Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 21 du Let's Play de Bully. Et on s'était laissé au chapitre 5, le dernier chapitre du jeu, en tout cas du mode histoire, parce que vous savez que le jeu est plutôt complet, c'est un petit peu comme un GTA, il y a plein de petites quêtes, etc. à côté. J'ai quand même fait un petit peu de farm depuis la dernière vidéo, c'est pour ça que je ne suis pas dans le lieu où on s'était laissé. Je crois que j'étais dans le repère des blousons noirs, je crois, qui m'ont donné accès. Et là, en l'occurrence, je suis retourné chez moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été farmé des cours que je vais vous montrer maintenant. Qu'est-ce que j'ai amélioré au niveau des cours ? Alors déjà, je suis à 56% du jeu, sachant que c'est normal que je sois à 56%, même si le jeu ne va pas tarder à se terminer. Je pense qu'il reste, je sais pas moi, 5-6 missions, 10 missions peut-être au grand max. Hein. Vous voyez, là c'est ce que j'ai débloqué. Alors, le cours de gym, c'est un cours. Le cours de Clodo, le mouvement de Clodo, c'est lorsqu'on débloque des transistors. Donc j'en ai trouvé que 4 sur les 6, c'est pour ça que j'en ai que 4 de débloqués. Donc ça se réaffichera sur la map lorsque j'aurai un transistor supplémentaire, donc le cinquième. Et là en l'occurrence il est plus dispo parce qu'il m'en faut encore un. Enfin il m'en faut encore deux limite pour terminer tous les mouvements de Clodo. En revanche, gym c'est un cours, et là j'ai donc rempli à 4 sur 5 au niveau des missions. Enfin au niveau des missions, au niveau des niveaux on va dire. Donc j'ai déjà complété 4 niveaux sur 5, il ne me reste plus que 1. Et après j'aurai donc le niveau full pour la gym. En revanche, pour la chimie, alors la chimie, le niveau 5, je l'ai fait deux fois, sauf que j'ai raté, parce que c'est très compliqué. Il y a 6 touches au clavier et 2 touches à la souris, et si on se plante une fois, ça recommence à zéro. Donc je me suis planté deux fois, faut pas se planter deux fois, faut se planter trois fois. Si on se plante trois fois, en fait, on recommence le cours. Sachant que chaque cours est différent, et qu'à chaque fois, c'est pas la même combinaison. Donc du coup, j'ai fait deux cours comme ça, j'ai raté, donc le cinquième, deux fois, malheureusement. En revanche, le cours de dessin, c'était pas un problème, j'ai tout réussi à 100%. Les photos, j'en ai fait 2 sur 5. La techno, je ne sais pas pour quelle raison. Mais dès que je touche à ma souris, en fait, pour valider la quête, je sais pas si je prends l'élan ou pas, donc du coup, ça fait le sens. Bon, bref, faut faire un rond avec la souris, en fait, et j'ai l'impression qu'il lui considère que c'est l'inverse que je suis en train de faire. Je sais pas, ou là, moi, je suis pas assez rapide, je sais pas du tout. Voilà, mais toujours est-il que je n'arrive pas. Et là, je me plante au bout de 2 secondes. Hein. Donc j'ai le droit à 3 essais, 3 essais, c'est passé en 2 secondes, et voilà. Donc techno, ça va être compliqué, visiblement. Biologie, j'ai tout fait. Géographie, j'en ai 3 sur 5. Sachant qu'à chaque fois, vous avez vu, ça débloque des choses sur la carte. Et là, c'est plus compliqué. Ça, je vais vous montrer ça après sur la carte. Vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs qui sont apparus, notamment les élastiques et les cartes GEG. Gadu Gaming, en fait, hein, GEG, bien sûr. Et donc du coup j'ai commencé à les chercher un petit peu, mais c'est quand même super long parce que les cartes Gadu Gaming il y en a 45 et les cartes et les élastiques il y en a 75. Et il y a des fois c'est dans les bâtiments, ça c'est lors de quête, c'est-à-dire que si vous ratez à la quête, si vous ne chopez pas l'élastique ou la carte lors de la quête, vous ne l'avez plus jusqu'à la fin du jeu. Donc en fait c'est impossible de remplir la quête, c'est salaud, c'est vraiment dur hein, ce qu'ils ont fait. Les maths donc j'ai 3 sur 5, la musique j'ai 5 sur 5, et l'anglais j'ai 3 sur 5. Donc là j'avoue pour l'anglais j'ai un petit peu triché sur internet, faut avouer parce que les mots à trouver. Il y a des mots que je connaissais même pas, je sais même pas si des mots français, je comprends pas. Voilà, honnêtement, je ne comprends pas. Donc j'ai quand même bien avancé. Et c'est pour ça que ça, j'ai augmenté un petit peu mon pourcentage, sachant que quand on s'était laissé l'épisode 20, j'étais rendu à 50% à peu près, je crois que c'était 50,3 ou 50,4, je sais pas. Là je suis à 56 et quelques, 56,5 je crois que je suis rendu. Donc j'ai avancé de 6%. C'est pas énorme, mais faut savoir que j'ai quand même farmé 3 heures pour faire ça. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais donc revenir voilà, à l'écran principal. Là je vois que j'ai un cours, alors vous savez quoi, vu que c'est un cours qui n'est pas validé, on va le faire ensemble. Donc vous voyez sur la carte que c'est un cours que je n'ai pas encore terminé. Enfin, alors, oui, ça vous le voyez pas, parce que moi je l'ai su en fait, donc c'est normal, là je vous parle grec, c'est normal. Donc, lorsque vous voyez une cloche qui est comme ça orange, ça veut dire en fait que y a un cours que vous n'avez pas encore fait. Enfin, vous n'avez pas atteint les 5 niveaux. Dès qu'elle passe au gris, là justement on va aller en techno. Donc là en techno justement on va pouvoir voir en fait le problème que j'ai. Bon, si je le fais choper évidemment on va m'emmener en cours. Maintenant lorsque j'ai des cours, donc j'ai déjà validé. Voilà, c'est l'autre côté, il faut que j'aille. J'ai l'autre côté. Et ben en fait il me les propose, il met la cloche en gris, donc du coup je ne suis pas obligé d'y aller, donc du coup je n'ai pas d'absentéisme, je ne suis pas recherché. Alors que là actuellement je suis recherché. Donc vous allez voir le. Bon, du coup on va se planter encore. Si je réussis tant mieux, parce que moi j'aimerais bien le valider ce cours de BMX. Parce que c'est un peu compliqué quand même. Voilà, donc ce que je vous propose pendant cet épisode 21, c'est de se remettre un petit peu à place, c'est-à-dire de faire des quêtes un petit peu annexes. Et puis voilà, donc là j'ai bien tenu ma souris, parce que vous allez voir qu'il va me dire de tourner normalement, je crois, dans le sens horaire des aiguilles de montre. Et donc là il faut vraiment que je fasse un mouvement, surtout pas dans l'autre sens pour me préparer à prendre de l'élan, je sais pas si je suis clair ou pas, mais voilà. C'est bon, là ça marche, yes. Normalement c'est que 3 coups, hein, donc c'est facile à faire. Réessayer, non je me suis planté. Vous voyez, je me suis planté. Donc on va essayer.
Voilà, vous avez vu? Ça fait bip. Alors je tourne déjà la souris au-dessus en fait de mon tapis. Comme ça j'ai plus qu'à poser la souris. Si jamais il me dit que c'est toujours pas bon. Non voilà, alors voilà, c'est exactement ce que ça m'a fait. C'est-à-dire que je tourne pourtant dans le bon sens, et ben ça me compte 0. Voilà, c'est raté. Donc techno, je n'arrive pas à passer en fait le niveau 2, enfin le niveau 1 du coup. C'est super pénible quoi. En plus je crois qu'il n'y a que 3 touches à faire, hein, donc c'est très simple, hein, mais bon. Je n'y arrive pas. Donc je vois sur la carte qu'il y a un défi à remplir, on va tenter de le faire, le défi. Je sais pas où je vais du tout là. Ouais, c'est bon, attendez. Le défi il est où? Ah la vache, le défi il est super loin. Le défi est super loin. Parce qu'en fait, je serais bien resté pour remplir mes cours. Pour faire le cours suivant. Enfin, je sais pas ce que c'est le cours suivant, mais je pense que je crois que c'est photographie. Donc j'ai eu jusque-là, d'ailleurs, en photographie, j'ai eu le drapeau à. Les drapeaux à les photographier et les personnages. Enfin, les personnages, les élèves pour la photo de classe. Donc j'aimerais bien passer justement au niveau suivant. Bref, je vois que l'étoile est de l'autre côté de l'eau, donc ça me paraît un petit peu compliqué. Parce que j'aurai jamais le temps en fait de faire la mission et de revenir à temps pour le cours. Sachant que le cours démarre à 13h, donc ça devrait être super rapide. Et je vous garantis, c'est un cours de fou. Donc on va rester dans le coin. Parce que là, vous voyez, le temps que j'arrive devant l'école, il est déjà midi. Donc j'ai plus qu'une heure à attendre, sachant que bah, au final c'est 1 minute. Hein, je pense que. Ça avance à peu près à la vitesse des secondes, des minutes, donc je pense que voilà, 1 heure ça va être 1 minute, sachant que là on a déjà entamé. C'est quand? On va le tester, je vais vous dire, parce que moi j'ai un chronomètre, donc je vais vous dire tout de suite si ça fait une minute ou pas. Hein. Ah mais sachant qu'il y a les temps de chargement, qui sont peut-être pas comptés. Alors j'ai aussi des tags à faire, vous voyez. D'ailleurs, il a fait le tag. Il l'a fait. C'était à moi de le faire. Enfin, c'est pas grave, après chacun fait les tags où il veut. Voilà, là il y en a un à faire. Sauf que c'est super pénible en fait, hein, si vous voulez hein, pouvoir le faire. Ah, il faut la peinture, j'ai pas de peinture. Je n'ai pas de peinture, si j'ai pas de peinture, je ne peux pas. Il faut que je l'achète à l'épicerie. Parce que la peinture, je ne la produis pas dans mon. Ah, c'est une peau de banane, je crois, c'est une petite arbalète. Ok, c'est pas grave. Au passage, on a aussi un panneau d'informations que je ne vous ai jamais montré en fait. Je temporise un peu, hein, désolé, mais. Voilà. C'était pour passer le dernier quart d'heure qui me reste. Donc là, vous voyez, j'ai 28 pages. Voilà, donc, enfin, et ça se met au jour au fur et à mesure, enfin, c'est énorme. Bref, de toute façon, puisque vu qu'on a bientôt fini le jeu, c'est pour ça que c'est plutôt long. Alors, enfin, je dis, on a fini le jeu, en fait, j'ai fini le jeu, hein, vous me regardez, malheureusement, je joue tout seul. C'est rare que je fasse des let's play tout seul actuellement, mais j'avais envie de le faire, parce que ça me rappelle, ça me fait de la nostalgie, en fait. J'étais un petit peu nostalgique, et j'avais envie, voilà, j'avais simplement envie de rejouer à ce jeu, parce que je rappelle que j'ai joué, je crois, sur Wii ou sur PS2, j'ai un doute. J'ai les deux, donc du coup, j'ai un doute. Bref. Poursuivons. C'est parti pour les photos. Alors j'avoue que le cours de photos il m'intéresse mais carrément pas. Prenez des photos de Clodo ou de chien à New. Oh d'accord, il faut aller super loin en plus. Ben allons-y. De toute façon il y a un point qui est marqué sur la map, donc s'il y a un point qui est marqué sur la map, eh ben, il faut juste que j'aille à la croix. Ouais parce que trouver des Clodo c'est quand même pas super cool quoi. Enfin j'ai même que ça peut abuser d'aller prendre des Clodo en photo, enfin bon bref. C'est la mission, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est un jeu, hein, c'est pas une réalité, bien sûr. Alors. J'ai envie d'y aller, ça pose un problème. Alors attendez, sur la map, c'est comment? Ok. J'ai raté évidemment le chemin, le détour. C'était là, il fallait tourner. Alors le temps, c'est cool. Bon, j'ai que 4 photos à prendre, mais il faut quand même que je revienne. Et vous avez vu que j'ai quand même de la route. Et de la route est comptée dedans. Hein. C'est quoi? C'est des photos ou des chiens hein. On va tester bien sûr. Alors là il y a des honneurs, pas je vais me choper. C'est super pénible parce qu'il va falloir que je les cherche. Et là en fait c'est super hasardeux. Je sens que ça va me casser les. Voilà. Donc je prends mon appareil photo en main. Il va falloir que je dégaine. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est un clodo en fait. Non. Voilà, est-ce que ça marche? Oui! C'était un clodo. Excusez-moi. Ah, ça me rend allergique de faire des conneries. Vous voyez. En fait, j'ai l'allergie en fait au pollen. Moi. Je suis pas très allergique, mais un petit peu quand même. Ah, est-ce que ça c'est un clodo, enfin une clodo, je ne sais pas, ou juste une grand-mère. Oh là, doucement, doucement. Mince. Je me suis gouré de touches. C'est pas évident parce que j'utilise. Voilà. Non, 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 non. Vas-y, fais pas chier. Ok. Non,
Visiblement, ce n'est pas. C'était pas un clodo ou une clodo. Hein. Donc, soit des chiens, il a dit des chiens. Attendez, j'en prends mon skate. Bon, là, je sais pas du tout où je vais. C'est très pénible, vous avez vu? Il y a des missions comme ça qui sont très pénibles, c'est-à-dire que bah, j'ai vraiment peur de la perdre celle-là. Parce que, bah, aller trouver 4 clodos quoi. Alors, heureusement qu'on a du temps quoi. Tout le monde y tag hein, par là. Hein. On va retourner à pied. On va courir un petit peu à pied, ça ira plus. Oui, on va courir à pied, oui. Enfin, on va courir tout court en fait, parce qu'à pied, ça me paraît évident. Je regarde si je vois un clodo dans le coin. Clodo, c'est déjà péjoratif quoi. Très péjoratif. Un clodo, voilà. Alors là, il y a la grand-mère, mais j'essaie de la prendre de face pour être sûr que c'est pas elle. Non. Je pense que. Ah, attendez. Là, j'ai. Ouais, c'est bon. Non, c'est juste une grand-mère. Je l'ai pris de face ou de dos, ça change absolument rien. Là, c'est d'où on vient. Là, il y a un clodo là. Là, je pense qu'il y a un clodo là. On va aller vérifier, mais là, je pense pas que c'est juste un clochard. Enfin, un vieux, je pense que c'est un clodo. Donc on va. Oui! Alors attendez, ça marche pas deux aussi, évidemment. Non, faut que ce soit deux clodos différents, bien évidemment. Même s'ils se ressemblent tout à fait, mais enfin, c'est pas grave. Donc deux clodos, j'ai eu. Là, il y en a un autre, hein. Est-ce que c'est pas un que j'ai déjà pris? Non, c'est un zonard, ça? Non, c'est un clodo. Parfait. Ouais, enfin, c'est difficile de... Ah, attendez, c'est qui quoi? D'accord, ok. Donc 3 sur 4 c'est pas mal. Ça va, j'ai quand même largement le temps. Allez, juste. Il me reste un quart de mon temps. Le problème, c'est qu'il faut pas que je change de zone. Si je change de zone, ils vont pas être d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai encore le temps. Là, lui, là, c'est un clodo, là. C'est un clodo, ça. Ça sent le clodo, ça. Oui! C'est bon. Allez, on retourne en classe. Bon, bah, ça va, vous voyez, j'ai utilisé un quart de mon temps. Un peu plus d'un gros quart. Alors, j'ai un petit peu de route, par contre, malheureusement. Bref, c'était la petite mission, voilà, que vous deviez voir. Enfin, vous deviez voir, pas forcément, mais puisque j'y étais. Autant profiter, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est très intéressant de faire des quêtes du genre. Parce que vous le voyez pas en fait en vidéo, mais sinon c'est moi qui le fais en vidéo. Et bah au moins c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis. Depuis 3 heures, oui c'est ça, depuis 3 heures. J'ai mis à peu près 3 heures en fait à upgrader mes niveaux. J'étais niveau 1 ou 2 à peu près partout, hein, voire niveau 3 sur certaines choses. Là vous avez vu, il y a des niveaux 5, il y a des niveaux 4, il y a des niveaux 3. Bah il y a juste la techno, le BMX à la con là. C'est bugué pour moi. Alors j'ai quand même réussi une fois, donc je me dis que c'est tout à fait possible en fait, c'est plus moi qui déconne. Hein. Enfin c'est même certainement moi d'ailleurs qui déconne. Alors faudrait pas que je me fasse choper par un flic ou un truc comme ça, ou faire une connerie, parce que sinon je perds la mission bien sûr. Donc on ne sera pas validé. Je crois que j'ai fait le tour évidemment là, non, c'est bon. C'est pareil, il faut aller. J'ai fait le tour du bâtiment, je reviens pas. C'est pas grave. Oula, j'ai failli faucher un. Ça fait deux fois que je suis le tour du bâtiment. Je suis passé devant comme un con et j'ai pas tilté sur le moment. J'ai voulu continuer alors que c'était là. Évidemment, je me gouffre comme d'habitude, mais c'est faisable. Hein. On peut sauter les deux escaliers. J'ai déjà essayé. Allez, on retourne en classe et là, normalement, ça valide ma quête. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis un bon tiers. Et encore, hein, j'ai pas mal glandé, enfin oui. Je vois qu'il y a une étoile rouge aussi sur le... Alors là, on le voit plus, l'étoile rouge, mais on va le voir dès que j'aurai fini le cours. Et là, je pense que c'est une nouvelle maison, donc je vais la faire. Voilà, niveau 3 de photographie... C'est ça. Niveau 3 de photographie. Bien, ça c'est validé, c'est parfait. On peut conserver, voilà, 15 photos dans mon album. Alors les 15 photos, c'est un peu débile, parce que... Le jeu que j'ai sorti en 2006, en fait, il n'y avait pas Internet dessus. Alors, il n'y a toujours pas Internet, d'ailleurs, au passage. On peut pas le transférer sur le web, ou... Ça aurait été bien de le partager sur le web, un petit peu à la Steam là. Ou alors, le stocker dans Steam. Faire des screens et le stocker dans Steam. Ça aurait été stylé. Donc j'ai une étoile sur la carte. Alors attendez, elle est où? Oh, elle est de l'autre côté, ça j'avais oublié ça. Par où je vais passer? J'essaie de passer par le bas là. Donc je vais descendre bah, tout au sud.
Ensuite, je prendrai le petit chemin et j'essaierai d'aller en fait bah, de l'autre côté de la ville là. Parce que si je passe par en haut, vous voyez, en haut, c'est beaucoup plus. Oh, encore que. Ouais, non, parce qu'il faut que je fasse tout le tour par la route. La voie de chemin de fer là que vous voyez, j'arrive pas, je peux pas la prendre celle-là. Donc, on va aller par le bas. Allez, c'est parti. Par le sud. Voilà. Et puis, on va essayer donc d'avoir un bâtiment champ supplémentaire pour pouvoir sauvegarder. Non, mais sans déconner, les mecs, faites chier. Hein. La péro, il me lance des pétards à la gueule. Et ça, oh là, non, c'est pas raté. Je pense que c'était raté. Merde. Non, par contre, là, ça bug. Voilà. Non, mais c'est bon, tu vas pas m'avoir non plus. Hein. Pas déconner. Saut so, Banzai, ça c'est beau. Ça c'est beau. Hop. Raté. Alors, il y en a un qui vous a vu qui essaie de forger. Tout le monde, enfin, personne ne m'aime en fait. Hein, je vous rappelle aussi. J'ai dû me galérer en fait à faire les missions hein, où il y a personne qui m'aime. Chapitre 5, c'est comme ça en fait, on perd le respect de tout le monde et tout le monde nous en veut. Et on le récupère au fur et à mesure quand même. On le récupère d'ailleurs très très vite. C'est par là hein, qu'il faut aller, je crois. Ouais, c'est par là. Voilà. Donc, dernière zone du jeu sur laquelle on va. Voilà. Petit portail. Et donc, ça, normalement, c'est un truc qu'on devait défendre. Enfin, on a dû défendre pour les faillots à un moment. Oh là, attendez, c'est à droite ou. Le truc pour observer les étoiles là, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Par là qu'il faut aller. L'observatoire, voilà, c'est ça. On a dû défendre l'observatoire, ici. Donc quoi? À chaque fois, j'en sais rien du tout. Alors il faut suivre le chemin en fait. Suivre le chemin et on y arrive direct. Je suis le chemin. De toute façon, c'est simple, regardez sur la carte, je suis l'étoile, je suis con. C'est plus la peine d'aller dans le détail. Ok. Ça se présente bien, enfin du moins j'espère. Oui, il y a un petit chemin, c'est bon. C'est propre, hein, le jeu est propre. On peut nager aussi. D'ailleurs, on s'en sert absolument pas. Il n'y a aucune mission aquatique, je crois. C'est dommage, parce que dans GTA, bah, il l'avait fait, dans GTA San Andreas à l'époque. Et je pense qu'il y avait juste à leur piquer, en fait, et la foutre dans le jeu. Mais on peut nager dans l'eau, mais en fait, il n'y aura pas de jet ski, de bateau, de pédalo. Hein, parce que peut-être que. Le genre de jeu, il faut avoir un pédalo plutôt. Ah, si, si. Défi des zonards. Ah, voilà. C'est pour être avoir le respect des zonards. Ah, c'est vrai que l'émission des zonards, on n'a pas fait, je crois. Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight. Oh putain. Let's. Faut que je me batte avec les zonards. Et vous avez vu le nombre qu'ils sont? Alors ça va, ils sont. Alors, je suis proche de mort. J'ai pas vu. Ouais, là, j'ai pris cher. Oh là, ouais, bah non, mais là, s'il me tape aussi fort que ça. Alors, faudrait que je trouve une. Alors, vous savez quoi? Si on réapparaît à côté, je la refais. Par contre, faut que je regarde où en est ma vie. Est-ce que ma vie est à 100%? Parce que peut-être que ma vie n'était pas à 100%, j'ai pas fait gaffe en fait. Ma vie est à 100% désormais. Ok. Bon, écoutez, on va le refaire. Voilà, donc l'épisode aura été un petit peu bâtard parce que j'aurais fait des quêtes. Oh, pas ça, c'est pas la peine de le refaire. Si je peux. Non, on peut pas passer. J'essaie de passer, hein, je vous assure, mais ça ne marche pas. I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight. Let's. Voilà, déjà je me fais allonger direct. Ah ça j'ai beaucoup plus de vie. C'est bien, faut que j'élate les deux à la fois. Non, ça par contre c'est pas bon, parce qu'elle me met cher quand même. Ah c'est bon, il y en a un allongé déjà. Alors fallait pas que je tape le vert, fallait que je tape voir l'autre. Ouais c'est bon, nickel. Voilà. Voilà, c'est bon, et le dernier. Ça va, là, ça va le faire. Ah bah il m'a filé une canette d'ailleurs. Voilà, comme ça, j'emmène ma vie. Ah bon, c'est l'autre qui arrive. Ah oui, d'accord. Là voilà, il faut toujours, comme je vous l'ai déjà dit, il faut les taper un par un. Comme ça, en fait, ça fait un ennemi en moins. Voilà, il y en a un qui m'a tapé dans le dos. Voilà, il faut que je tape celui qui est jaune d'abord. Comme ça, en fait, et bah, ça fait un. Bah, en fait, il n'y a plus qu'un ennemi voilà, à me taper dessus. Voilà, en plus il laisse une petite potion derrière lui, mais sauf que je vais la boire dès que j'aurai fini de la tessuer, parce que s'il se défend et s'il me met des coups. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai même pas eu besoin, vous voyez. Voilà, donc j'ai un club de zonards maintenant à moi où je pourrais sauvegarder. Et faut savoir que dans chaque lieu, il y a une petite borne d'arcade. Enfin, c'est ce que j'ai vu jusque-là. C'est quand nous on a joué que à deux jeux, je crois. Là, il y en a une, celui-là, il y en a une là. Donc en fait, il faut toujours un jeu dans le jeu. Voilà, ça j'en ai besoin. Un petit soda pour me dire. On va aller jeter un oeil quand même, puisqu'on est là, écoutez, hein, en profiter. Street Race 2165. Alors je suppose que c'est une référence à un jeu.
Ah si, j'ai déjà joué celui-là, je crois. Attendez, on va vérifier. C'est le même jeu à chaque fois? Non, c'est pas le même. Alors, comment ça se passe? Ok. Ok, faut faire avant. Alors, faut pas faire gauche en fait, faut faire avant et après faut tourner dessus. Alors pourquoi pas? Oula. En fait, c'est le même jeu en fait qu'on a joué à chaque épisode. Sauf que là, on a une vue dessus. Alors, tu sais quoi, je trouve ça beaucoup plus maniable vue dessus en fait. Par contre, je sais pas comment on tire. Moi, j'arrive pas à tirer comme ça. Oula, j'ai explosé. Ça, c'est fait. Alors, le jeu, je vous rappelle, est mal fait. Enfin, est mal fait. C'est volontaire, hein. C'est-à-dire que quand on est dernier, voilà, c'est beaucoup plus facile de les rattraper. Et quand on est à leur niveau, après, ils accélèrent. Et là, j'arrive plus à les rattraper. Le jeu, il fait comme ça. Voilà, j'ai un peu cela. Ça a touché. Voilà. Oh, j'ai fait. Ah, c'est bon, j'ai peur, je suis mort. Ok. Donc, en fait, là, en fait, on a juste à temporiser en fait, pendant 3 tours. Et puis, le dernier tour, c'est là où il faut gagner. Je sais pas s'il y avait un raccourci là ou pas, là je sais pas si c'est un raccourci ou un... Ah c'est un raccourci. Après, il faut faire demi-tour après. C'est pas compliqué. Ah vache, elle m'en met plein franchement. Je sais pas où c'est qu'ils chopent leur bonus mais... Bon là, et vraiment c'est histoire d'ailleurs, heureusement que c'est rapide. Enfin, je vous dis, à cet épisode sert un petit peu de transition. Donc là ils m'ont rattrapé, vous allez voir. Même si j'ai de l'avance, je dis oui je rentre dans les murs, c'est sûr. Ah là, bizarrement ils sont très très bons. Hein. Il y a une pierre dessus. Hein. Et le dernier tour. Là j'ai peut-être une chance de gagner. Ou pas. Si c'est une pierre dessus, je suis mort. Je touche rien en fait. Pas comme ça, pas comme ça. Ah, ils sont juste. Ils sont à mon cul. Hein. Voilà, c'est bon. Fin de la course, c'est bon, j'ai réussi. Bon bref, c'est pour le fun de toute façon. Ok, ici pour la course suivante. Ah bon, il y a plusieurs courses. Ah merde, j'avais pas prévu qu'il y avait plusieurs courses en fait. Bon écoutez, on va les faire maintenant qu'on est là, mais. Alors peut-être qu'on gagne quelque chose à la fin. Ça je sais pas en fait. Il y a des stats de fou dans ce jeu. Je vous assure qu'il y a des stats de cinglé. Ça compte le nombre de kilomètres qu'on a fait à vélo, à pied, enfin voilà. Le nombre de fois on a joué, le nombre de fois on s'est fait choper. Et même il faut pour débloquer les 100%, il faut se faire choper genre 100 fois. Enfin c'est... faut jouer en fait comme un cinglé au jeu. Oula, il est plus cher. D'accord. Là il y a une porte qui vous a vu qui s'ouvre et qui se ferme comme on veut. Enfin, comme elle le veut du coup. Faire un coup de bol en fait d'arriver quand elle est ouverte. Et si on passe dedans évidemment je pense que on gagne vite fait. Alors vous voyez je suis pas mauvais hein. Je touche un peu les bords. Mais au pire c'est pas grave, c'est dans des virages, donc au pire ça mourrait. Voilà, c'est bon, on va prendre, bon, j'ai flotté juste derrière, c'est dommage. Il n'y a plus personne derrière moi là. Voilà bah, j'ai touché le bord, vous voyez. J'ai touché le bord, ça m'a explosé. Fallait pas toucher le bord en. Alors je pense que je prends des dégâts aussi enfin. Chez le bord. Je rappelle que nous sommes dans un jeu Rockstar actuellement, hein. C'était pas un jeu d'arcade de merde. Mais je kiffe ça moi les petites bornes d'arcade, le jeu dans le jeu quoi, vous voyez. Allez dernier tour, là faut pas que je joue au con. Si je suis pas qualifié au pire c'est pas grave. Hein. Bon puisque je suis là, voilà, autant y aller jusqu'au bout mais... Cet épisode sera peut-être moins passionnant, sans déconner. Alors il y en a deux qui me retiennent pour m'empêcher de doubler. Et puis il y en a un du coup qui prend de l'avance, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, je l'ai bien promis, là c'est bien. Pff, tire dessus, hein. Tire dessus, tire dessus. Voilà, ça c'est bon pour moi. Ça sent bon pour moi. Oui, voilà. J'ai gagné, ah là là. Ah, qualifié pour la course suivante ici. Donc il y a quand même plusieurs courses. The Nuclear Section. Alors je suppose qu'il y a une référence à un jeu, je suis quasiment sûr. Alors, je sais qu'il y a Wipeout, pardon, qui est dans le jeu, hein, qui ressemble. Mais sauf que pour le coup, je pense que la nucléaire, quelque chose, peut-être même la musique est une référence. Une parodie, je veux dire. J'ai pas pris le boost, hein. Je veux dire le turbo. Mais... Je prends les dégâts. Parce que je l'ai explosé. Et je suis toujours en lisse. Ah, non, c'est j'ai explosé. Je suis dernier. Ça fait. Parce qu'on explose, quand même, ça met un bel handicap. Hein. Donc, c'est un jeu de merde. Hein. Je vous avoue que j'en ai déjà marre. J'aimerais bien en fait, que ce soit la dernière course. Et toutes trois courses, moi, je pense qu'il y a une distance. D'ailleurs, je vais avoir un bonus si jamais je termine première. A tout du coup. Mais c'est pas valable pour toutes les bornes d'arcade. Comme là, il y a trois tours. C'est vrai que d'habitude, en fait, il n'y a que un tour du jeu. Si là, ils en ont mis trois, c'est qu'à mon avis.
Enfin, faut que je gagne encore, c'est, j'ai le droit gagner, ça. Je suis qualifié, Vous êtes premier pour être qualifié ou vous êtes. Oh, voilà, j'ai explosé. Ça, vraiment, c'est très punitif. Comme je vous l'ai dit. Encore une fois, ils ont voulu faire un jeu très complet, comme ils font Rockstar à leur habitude, hein, quand on voit GTA, la tronche qu'il a. Ah, oula, je suis premier. Oh, je suis premier. Oula. Ah, je viens d'exploser. Ça fait. Bon, au dernier tour, c'est quand même ballot, hein. Oh, que c'est ballot. Oh, c'est ballot, ça. Alors, c'est vraiment ballot. Du coup, là, pour être premier, ça va être très compliqué. Ok, s'ils m'empêchent en fait de passer, là, je pouvais passer, là, ils m'ont bloqué. Oh, oh, la queue de poisson. Franchement, la queue de poisson. Eh, les mecs, laissez-moi juste passer. Sinon, je peux pas. Allez, 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 allez. Oh là là, ah, ça, c'est ballot. Eh. Allez, c'est pas moche, ça. Bon. Alors, heureusement, ça m'a compté troisième. Est-ce qu'on continue? Bah, écoutez, allez. Oui. On y va, puisqu'on est là, vous savez quoi. Autant faire l'épisode jusqu'au bout. Enfin, on n'aura fait que des cours à aller jouer au World Arcade. Le quotidien d'un élève, on va dire. Un écolier. Bon, je sais pas si vous jouez au World Arcade. Alors, donc, World Arcade, c'est juste ce que j'aimais quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, forcément, on n'était pas de la même époque. Donc, voilà. Alors, faut savoir que quand on prend le boost, ça dormait droit. Même si ça n'était pas droit avant, hein, ça dormait droit. Donc, ça peut être un moyen aussi de. Ça, je tourne, même si je le prends à l'arrache, et bien ça va mort. Voilà, là je vais toucher. C'est bien parce que j'ai l'impression que j'explose une fois par tour. Enfin, et juste avant la ligne d'arrivée, quand même, ça s'est arrêté de bague. Vraiment, c'est pas le dernier tour. Et ouais. Celui qui m'a tiré dessus. Oh là, non, non, il faut rater les mecs là. Alors, je sais pas comment il tire dessus parce que des fois on voit rien. Même, c'est un tir one shot quoi. Oh, ah non, ça c'est salaud. J'ai pas dit que j'arrive à les avoir. Je vais essayer de m'acharner. C'est écrit à l'ancienne, c'est écrit comme Wipeout, hein, c'est clair. Non, mais les mecs. Non, mais sans déconner, alors ça c'est affreux. Alors, comme le jeu est mal fait, comme je vous l'ai dit, hein, là, j'ai 6 secondes de retard, mais vous allez voir qu'ils vont m'attendre, je vais les rejoindre très vite. Voilà, ils sont juste là, vous voyez. C'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que quand ils voient que vous êtes en retard, bah en fait, ils vous attendent. Et quand vous êtes en avance, bah, là par contre il accélère. Oula, ça bouge partout. Oh là là, j'ai pris juste une petite balle. Oh, allez, au dernier tour. C'est pas bien. Alors si, il y en a beaucoup qui sont KO. Ouais, non, j'ai terminé une quatrième, j'ai terminé encore pire. Oula, c'est tendu. Oh, deuxième. Non, troisième, toujours troisième. Non, deuxième, c'est ça, deuxième. C'est qui troisième, mais c'est deuxième. Voilà, il faut encore que j'en fasse une, écoutez. Eh, faut que je termine, franchement, faut que je sois premier, hein. Ça va servir à rien, mais il faut que je sois premier. Donc, qu'est-ce que je fais dans cet épisode? Eh bien, je joue au Born Arcade. Je joue à un jeu de merde dans un bon jeu. Oh, non, elles sont déconnées, par contre, ça a peut-être un peu abusé, là. J'ai même pas fait un quart de tour, je suis déjà mort. Alors, moi, je sais pas comment tirer, là. Je peux tirer? Non, il faut avoir un bonus, il faut avoir quelque chose. Bah, je pense, attendez. Non, je peux cliquer. Ah, bah, alors ça y est tout de suite quand je peux tirer maintenant. Ah, bah, là tout de suite. Ah, bah, oui. Ah bon, t'es à ricoche, ouais, t'es à ricoche. Ça explose beaucoup plus dur là depuis que je l'ai mis. Oh! Oh! Alors ça, c'est bon, ça fait chier quand je rentre dans un mur. C'est pas grave, on va remonter, vous allez voir. Alors c'est comme, j'allais dire, comme dans Wipeout. Non, c'est pas vrai, Wipeout, on ne remonte pas. Par contre, Mario Kart, oui. Mario Kart, c'est exactement comme ça. Quand vous êtes dernier, vous êtes plus avantagé que le premier. Ce qui est un peu abusé parce que du coup ça donne pas envie d'être premier. Enfin, en fait il faut être premier mais que au dernier moment. Ouais, je canard, ouais, c'est sûr. Ah oh, bah j'ai explosé avec. Alors, peut-être que là. Petit boost. Non, non, c'est pas vrai. Oh, j'aurais pu le prendre. Si je le prenais, c'est bon, c'était fini pour eux. Mais là je pense que j'ai perdu encore une fois. Alors que je refasse encore une fois. Je suis désolé pour vous les viewers. Encore, attendez. Non, je suis quatrième carrément. Ça
cinquième, quatrième, cinquième, dernier. Ouais, j'ai pas. Mais c'est super compliqué parce que du coup, c'est même si je suis premier, en fait, je vais me faire avoir. Parce qu'au bout d'un moment, je connais de la course par cœur. Ils sont 5 alors qu'avant ils étaient 4. Boum! Ça fait. Ouais, il y a déjà 3 qui sont out. J'ai pas. Alors en même temps, j'ai pas de barre de vie. Ce qui est bien dommage. C'est lui qui me tire dessus là derrière. Mince, là, je crois que vous avez vu, on voit bien que le premier est ralenti. Ok, alors là je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait un truc avec eux. Oh non, oh non. Je sais quoi, j'ai passé par là. Parce que là sinon, ça le fait pas. Là on est vraiment très loin. Alors vas-y, nous attend. Tiens. J'en ai explosé un, juste. Devant moi. Là j'aurais dû tourner là. Enfin, c'est pas évident de prendre les. En fait le jeu est pas évident en fait hein. Donc quoi c'est bien fait hein. Oula. Alors ça par contre c'est bien. Oh non, oh non. Ah ça c'est abusé. Enfin oui c'était pas le dernier tour. Oh je trouve que c'est le dernier tour parce que je me suis dit putain je vais retrouver le deuxième. Dégagé. Non, je vais exploser aussi. Putain, c'est tellement punitif, on arrive directement dernier. Wow! Attendez pas que je fasse toucher, c'est quand même ballot. Non, 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 c'est déconné, c'est abusé. Oh, c'est abusé! Juste avant la ligne, juste avant la ligne. Alors, ils attendent, mais sauf que bah, je vais encore me retrouver à la dernière. Ça, c'est fait. Le premier est passé à la ligne. Je suis dégoûté. Ça joue un poil de cul encore. Hein. Fallait juste tenir encore 5 secondes, et c'était bon. Bon, je dépense mes sous, ceci dit, je crois que j'ai mis 200$, je crois. Hein. Ça, je vous l'ai pas dit aussi, mais j'ai fermé en vidéo et j'ai mis 200$. Allez! On va y arriver, il y a tout le monde qui pète là, c'est moi qui tire dessus. Hein. Oh! Ah bah c'est bon, ok les autres sont bloqués, je vais pas savoir. Ouais, il y a des pouces aussi. Alors, le problème c'est que la fin est très compliquée à voir. Je sais pas si vous voyez. Oh! Alors celle-là était ballot. Donc, comme je vais apparaître. Voilà, on va passer par là, c'est un peu vite. Il ne peut pas être très loin, voilà. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Oh j'ai raté le boost. Oh bah voilà, il y a des coups, il y en a un qui arrive. Je passe. Voilà, c'est bien, j'ai bien coupé. Là je suis bien là. Alors là vous avez vu, il y a eu deux tours où j'étais premier. Est-ce que le troisième je vais être encore premier? C'est d'ailleurs qu'ils vont m'attraper. Parce que maintenant que je suis devant, ça va être beaucoup plus facile pour eux de booster un peu. J'ai raté en plus le boost. Alors vous allez voir qu'ils vont arriver. Oh, oh non, c'est ballot. Vite, apparaît. Alors il y en a deux qui sont coincés par contre. Non, ça fait pas ça. C'est bon, il est devant moi. Oh, je suis devant. Non. Ça s'est joué à un poil de cul. Un quart de seconde. Ah, un quart de seconde. Mais je suis obligé de le terminer en fait, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Simplement, alors, s'il y a autre chose que 3 courses, je m'arrêterai là. Vous savez quoi, ça va être triste. Donc s'il y a 4 courses, tout ça, je leur chanterai pas. Parce que j'ai déjà beaucoup de mal déjà à finir celle-là. T'as de la chance, toi. Mince, c'est pas évident. Alors voyez, là je suis mort, c'est normal. C'est vraiment pas évident. Voilà, j'ai explosé avec, mais ceci dit, allez. Je vois si des fois, même si je me prends l'éclair, ça vaut peut-être pas le coup. J'ai raté le boost, il faut vraiment que je prenne le boost là. Oula, j'ai éclaté tout le monde. Ouais, moi tiens, eux c'est mon éclaté. C'est one shot en fait là, les bombes. Si on se les prend dans la tronche, en fait c'est one shot. Là j'ai la confirmation. Si on tire à côté, en fait ça fait rien. Tout simplement. En fait c'est tout ou rien. C'est soit on me touche, soit il me touche pas, et là ça fait aucun dégât. Dégage.
par là. J'ai raté. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et au troisième tour. Bah, exactement ça. Colle au cul. C'est pas évident parce que j'aurais pas touché les bords en fait. Dès que je ralentisse, ou je sais pas où je prenne les virages mieux que ça. J'ai beaucoup de mal à diriger ce truc là. Voilà, et ça c'est bien. Ouais, alors ça c'est ballot, ça c'est joué un peu le cul. Et sauf que comme je réapparais, voilà, je vais prendre le coup de plus derrière. Et ça va être compliqué de m'avoir. Allez, 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 allez. Ne m'explose pas, ne m'explose pas. Salaud, 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 salaud. Putain, c'est pas possible quoi. C'est pas possible quoi. C'est abusé quoi. C'est abusé. Bon, et je vais continuer hein. Ou alors peut-être que c'est impossible. Peut-être que l'ordinateur est bien fait en fait. Je trouvais ça bizarre mais bon. Eh ben c'est pour moi là, voilà. Ah oui, vous prenez cher. Hein. Tiens. Tiens. Ah, raté. Tiens. Ce qui serait bien c'est qu'en fait on aura de mourir qu'une seule fois. Ah je peux vous dire que là ça fait pas long. J'ai explosé mais c'est pas grave, encore une fois je l'ai dit. C'est qu'en fait je puisse prendre le boost qui est juste derrière, voilà comme ça. Par contre, si c'est une main qui se met devant, quel poisson! Oh! Il met un temps autour, mais c'est vraiment pour la forme. Enfin, non, c'est pas pour la forme parce qu'au final, même si eux ils trichent totalement, ils vont à la vitesse qu'ils ont envie d'aller, moi ça peut être bien. Oh oui! Oh oui! Alors ça par contre c'était bien parce que du coup là je dois avoir une certaine avance, ouais 3 secondes. Bon, faut bien que je prenne des boosts. Ils ont combien de retard? On sait pas. C'est pas écrit. 3 secondes c'est. Non, 2 secondes. 2 secondes 6, 2 secondes 8. Oh j'en passe encore. Alors ça sent bon. Alors là c'est compliqué pour eux de m'avoir. Là ils peuvent pas me rattraper là. Dites-moi qu'ils peuvent pas me rattraper. Je suis trop bon là. Ouais, fin de la course, là je les ai latés là. Bon, il n'y a pas une autre course. Ouais, c'est bon. 3245 dans votre salle d'arcade, fin de la partie. Ouais. Bon, on aurait été un petit peu long, mais au moins vous aurez vu bah, qu'est-ce que j'ai fait en fait hors vidéo. Donc là, j'ai très envie de dormir parce qu'il est un petit peu 1h du matin. Du coup, on va se laisser ici. Je pense que je vais faire une petite sieste. On va se laisser ici. On va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!